Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette grande tribune de ce mardi 23 août 2022. Nous allons vous parler des deux sujets d'actualité qui retiennent l'émission d'aujourd'hui. La RDC vers la Russie, est-ce un choix réfléchi? Deuxième sujet, M23, l'ONU exige l'intégration, Fachi dit non. Donc nous allons débattre autour de ces deux questions d'actualité. Je reçois sous ce plateau deux invités de tendance opposée, Maître Richard Mpinda, qui est cadre de l'UDPS Tshisekedi et communicateur de l'USN. Maître Richard Mpinda, merci une fois encore de votre présence ici chez nous. Merci à vous de nous prêter votre tribune pour nous exprimer. Et vous allez vous rendre compte que les questions telles que vous les avez choisies sont des questions qui, comment dire, qui ont une importance capitale même sur les fondements de la République. Puisqu'il est question ici d'une part de la souveraineté de la République démocratique du Congo et d'une autre part il est question de la capacité à défendre cette souveraineté, c'est-à-dire ce qui passe par notre armée. Et je ne voudrais pas aller dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement attirer l'attention de mon co-débatteur. Nous savons qu'ici il ne sera pas question d'évoquer nos positions partisanes. Il est plutôt question de parler république et je pense que nous allons nous retrouver parce que je le connais en tant qu'un républicain et il va évoluer sûrement et certainement dans ce sens-là. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Merci à vous. Mais un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter? Oui, un sujet d'actualité que je souhaiterais commenter de toutes mes forces parce qu'aujourd'hui, il y a l'inauguration du centre de traitement d'eau de Lemba Imbu. L'observation, c'est que beaucoup l'ont. J'ai lu dans les réseaux sociaux, sur la toile, certains disent que c'est un projet qui date de 2013 et qu'il y a eu 7 millions de dollars qui ont été financés par la Banque mondiale, plutôt par la Corée du Sud pour ce projet-là, et que. Aujourd'hui, Tshisekedi ne vient que pour inaugurer. Mais voilà ce qu'ils ne disent pas. Que ce projet a été lancé certainement, comme ils le disent, en 2013, et que ça a été prévu pour 2 ans, et que l'argent a été détourné, et qu'aujourd'hui, Tshisekedi est revenu, il a relancé le projet, et il a achevé le projet, et qu'aujourd'hui, on va à l'inauguration. Je fais un parallélisme avec une illustration que je vais prendre. Je sais que le langage que j'y tiendrai va frustrer beaucoup de gens, mais je fais avec. Vous savez, une jeune femme qui est déviergée par un homme, ok, et l'homme l'abandonne, les laisse telle qu'elle. Un autre vient, il le prend en mariage à l'état où il l'a trouvé, il lui donne un foyer, il forme avec une famille, ils font des enfants ensemble. La question est celle de savoir de deux qui est l'homme le plus important. L'homme le plus important, c'est celui qui l'a honoré, qui a donné de la valeur. Aujourd'hui, Tshisekedi, préoccupé par le sort des Congolais, il a fait quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il sait que non, Kinshasa a deux problèmes fondamentaux, c'est-à-dire un problème d'eau et d'électricité. Il est entré avec des centrales, vous avez vu, dans le Congo, pas seulement Kinshasa, mais le Congo, vous avez vu que sur l'étendue de la République, à l'Équateur par exemple, beaucoup ont de l'énergie aujourd'hui, dans le Bandundu pratiquement, partout dans le fin fond de la République, vous vous rendez compte qu'il est en train de faire pour améliorer. Ça va couvrir une partie de Kinshasa, ce n'est pas toute la ville de Kinshasa, donc les problèmes vont demeurer. C'est ça ou rien. C'est-à-dire que nous avons commencé quelque part, un projet a été achevé par Félix, c'est-à-dire qu'il a pris en compte. C'est-à-dire qu'au lieu de rester à ne rien faire, nous avons fait quelque chose. C'est-à-dire que nous avons apporté une réponse. En partie puisse-t-elle être cette solution-là. Mais elle est là. Ça ou rien. C'est-à-dire que nous n'avons pas dit, puisque ceci est fait, nous croisons les bras. Non, pas du tout. C'est-à-dire que nous avons fait quelque chose et nous allons continuer à améliorer le quotidien des Congolais. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Nous avons également Eddy Yeni, qui est professeur et cadre de Le Nouvel Élan. Bonjour, monsieur le professeur Eddy Yeni. Bonjour, Ndeko Dandeng, et bonjour justement co-débatteur. Je crois bien, nous saluons les peuples congolais. Merci pour cette invitation. Et nous sommes là pour parler République. Voilà. Un sujet que vous souhaitez commenter? Un sujet à commenter. Bon, je suis de la Tchangou. Jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes d'une commune carrément oubliée par tout le projet de la République. Tous les projets du gouvernement, tant national que provincial. Kinshasa 0, qui n'est pas concerné.
Tu l'es gelé, Kimbante, qui n'a jamais été juste inscrit. 100 jours également, jusqu'à présent, Kimbante, qui est... 145 territoires. Même 144, je ne sais pas, parce que c'est pas encore... C'est pas possible. En fait, sur terrain, mais jusqu'à la preuve du contraire, Kimbante est vraiment oublié dans tout le projet du gouvernement. Or, Kimbante est la plus grande commune de la ville de Kinshasa. Hein, c'est la plus grande commune, mais Kimbante est oublié dans tout le projet du gouvernement, tant national que provincial. Voilà pourquoi nous plaidons, vraiment, nous demandons au gouvernement de pouvoir veiller à ce que les questions des infrastructures routières, sanitaires, scolaires et autres... donc Kimbante qui vraiment manque, je crois bien, soit inscrite dans l'agenda du gouvernement. Et nous remercions les autorités de la SQUA de la SNEL hein, d'avoir répondu à notre préoccupation majeure qui était celle de réhabiliter la cabine Ferbois. On vient juste de recevoir la nouvelle le nouveau transformateur. Vraiment, nous disons un coucou aux autorités de la SNEL. Merci beaucoup, Eddy Henny, qui est professeur et cadre de Nouvelle Élan. Je peux prendre 30 secondes. 30 secondes, allez-y. Cher professeur, je relève les contradictions. La première contradiction venant de vous-même. Vous avez dit que commune oubliée complètement, et pourtant vous relevez ici la cabine Ferbois. C'est aussi un projet de la République qui a été réalisé. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, la terre rouge, c'est où? C'est pas Tchangou. Terre jaune, c'est vers Terre jaune. Terre jaune, c'est Antélé. Ce n'est pas Kimbante. Non, c'est oublié. On parle de la commune. Non, je parlais de la commune de Kimbante. Kassela et Tienne, nous sommes à Tchangou. C'est-à-dire que quelque part là, on a aussi quand même arrivé Tchangou, à faire Tchangou est composé de quatre communes. Allez-y. Oui, vous avez juste Maloukou, Télé, Kimbanteke, Kimbanteke, Massina, Ndjili. Merci beaucoup. Vous avez dit ici que Tchangou était oublié. J'ai dit et vous vous êtes excusez-moi s'il vous plaît. Vous avez dit Tchangou était oublié et vous vous êtes apaisanti beaucoup plus sur Kimbanteke. OK professeur. Nous vous disons que nous y allons petit à petit. Nous aurions souhaité que vous souteniez. Je suis d'accord avec vous lorsque vous jetez des fleurs aux autorités de la SNEL, ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que c'est républicain. Parce que quand il y a quelque chose de bien qui est fait, vous encouragez, ce qui est une bonne chose. Moi, je suis d'accord avec vous sur le principe. Ce que nous devrions faire maintenant, parce qu'on a besoin d'argent, la République a besoin d'argent. C'est-à-dire que vous et nous devrions soutenir le projet offre. Non. L'appel d'offres. De blocs pétroliers. Vous voyez ça, et gazier. Puis c'est-à-dire que ça aurait résolu, j'ai dit bien, je prends toute la population, tous ceux qui vont nous suivre à témoin, ça nous aurait permis de nous faire 1000 milliards de dollars. Avec 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire que vos problèmes à vous, dans la commune de Kimbante, qui seront résolus. Mes problèmes à moi dans la commune de Limité le seront aussi. À Mohamba tout entier, ça sera aussi résolu. C'est ainsi que nous devons le soutenir. Je serai d'accord avec vous qu'au nom du nouvel élan, au nom de la Mouka, que vous et moi, nous puissions organiser une marche pour soutenir ce projet-là, parce qu'il est profitable, il est un projet de la République. Si nous prenons date aujourd'hui, je pense que ça permettrait à ce que l'opinion se joigne aussi à nous, au nom de nos, de nos appartenances politiques. Voilà. D'accord. On va continuer de commenter l'actualité, avant de prendre les sujets proprement dit. C'est la sortie, la rentrée politique de Vital Kamerhe hier. Il a remercié les cadres et militants de son parti de l'avoir soutenu. Mais dans son discours, il a dit « Le développement de la RDC dépend des Congolais, bien plus d'un leadership visionnaire, rassembleur, éclairé et qui met tous les Congolais au travail », a dit Vital Kamerhe. Comment comprenez-vous ce discours quand monsieur, un allié de taille du président Tshisekedi, qui dit que le développement de la RDC dépend des Congolais, bien plus d'un leadership visionnaire, rassembleur, éclairé, et qui met, il parle de la vision de développement de la RDC. Comment comprenez-vous ce message, vous, au niveau de Nouvel Élan? Bon, là, je vois Vital Kamerhe qui veut pratiquement aussi se repositionner par rapport aux enjeux de 2023. Lorsqu'il dit, il ne dit pas que le régime actuel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans visionnaire, un rassembleur
et un éclairé. Il ne dit pas ça. Il dit les développements de la RDC passent par cette vision. Ces leaderships visionnaires, rassembleurs et éclairés. Ouais. Donc, c'est un leadership à venir. Qui n'est pas encore là. Qui n'est pas encore là. Donc, il remet en question le leadership actuel. C'est pour nous dire que ce régime est peu visionnaire. Ce leadership est faible, peu visionnaire. Et c'est un leadership qui divise. Voilà. Là, c'est ce que Vital Kamerhe veut juste nous faire comprendre. C'est votre entendement. Oui, c'est mon entendement, mais il faut analyser ce qu'il a dit. Parce que quand il dit que nous voulons, il parle et il se projette dans l'avenir. Lui, c'est en fonction pratiquement des enjeux électoraux, des enjeux à venir. Il dit les développements passent. Il ne jette pas de flair au leadership actuel de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, là, je dis... Cela nous ramène déjà à dire que le monsieur est en train de se repositionner en fonction pratiquement des enjeux de 2023, qui est c'est pratiquement de la tenue, de l'organisation des élections, mais également l'enjeu principal étant pratiquement les pouvoirs. Donc, il a été lavé par la justice, Partant de ce discours, on peut dire qu'il a réellement tourné la page de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Réellement tourné, si Vital Kamerhe avait tourné la page, je crois bien, son discours serait celui d'accompagner le leadership actuel. Mais pas de présenter une sorte de rupture. Ça, c'est une rupture. Lorsqu'il n'accompagne pas, il présente ce qui devrait être... Il ne dit pas ce qui est. Lorsqu'il s'inscrit dans ce qui devrait être, et ce leadership-là, lui espère qu'on l'aura. On l'aura avec le temps. Donc, moi, je le vois. Là, il dit, nous pouvons avoir ce leadership après 2023. Donc, cela veut dire que dire qu'il est toujours avec le régime actuel serait une lecture biaisée. Parce que je bien analysé les discours de Vital Kamerhe et je me suis dit, et apparemment, c'est non seulement qu'il donne des leçons au régime actuel en termes de l'organisation de son parti, il présente, il dit, je vais construire ceci, voilà, j'ai déjà acheté un terrain à 500 000 dollars, bientôt, nous aurons un siège national de l'INC. Mais son discours crée un peu, je dirais, en chusme entre le présent et dans le passé, dans l'avenir. En 45 secondes, qu'en est-il de la coalition FCC Cash aujourd'hui? De la coalition FCC Cash. Est-ce que Kamerhe peut-il être considéré comme étant le dauphin du président Tshisekedi en 2028, au cas où il était réélu en 2023? En tout cas, je ne vois pas cela être possible. Parce que vous savez, après son arrestation, aujourd'hui, Kamerhe, c'est aussi un fin stratège. Il se pose aussi des questions. Il se bat pour se repositionner. Parce qu'aujourd'hui, on doit dire aux Congolais qu'il y a une différence entre Kamerhe dans le champ du pouvoir. Kamerhe n'est pas dans le champ. Il est dans le champ politique, mais il est maintenant dans un champ spécifique qui est celui du pouvoir. Dans le champ du pouvoir, c'est un champ décisionnel. Et puis, c'est un champ où l'acteur essaie un peu d'affûter ses armes pour reproduire. Il n'est pas dans la conquête, mais il est dans la reproduction. Bon, s'il veut, si Kamerhe veut mener la conquête, là, Kamerhe va compétir avec Tshisekedi. Ça, c'est la conquête. Si c'est reproduire, Il sera au service de Tshisekedi. Mais lorsque vous analysez son discours nous ramène vers la compétition, donc vers la conquête et non la reproduction de son statut. Donc par rapport à son statut, c'est pas lui le président de la République, mais il est dans le champ du pouvoir. Donc il a des ministres. Merci. Mais lorsqu'il s'inscrit dans la compétition, donc Kamerhe veut aussi être candidat, compétir et remporter peut-être. Et imprimer cette leadership visionnaire, rassembleur et éclairé. D'accord.
Merci, professeur Edieni. Maître Richard Pinda, la même question. Kamere qui dit dans son discours, le développement de la RDC dépend des Congolais. Bien plus d'un leadership visionnaire, rassembleur, éclairé, qui met tous les Congolais au travail. Quelle est votre compréhension de ce discours? Je n'ai pas besoin de ma compréhension. Je vais rester dans la compréhension de Vital Kamere, puisque la mienne, là, importe peu. Okay. Je ne commettrai pas l'erreur que vous avez commise. Laquelle? Je vais vous la démontrer. Moi, j'ai posé une question. Non, vous avez posé une question. Vous avez commis une erreur. Laquelle? Je vais vous la démontrer. D'accord. Laissez-moi y aller. Cette même erreur-là, il vient aussi de la commettre. C'est-à-dire que vous avez pris le tweet de Loka, là. Non, pas du tout. Le tweet que vous avez là. Ce n'est pas le tweet de Loka. C'est le tweet de qui? C'est un discours de... C'est une partie de son discours. Non. Vous avez... Je vais lire minutieusement la phrase jusqu'à la fin. Allez-y. Là où vous vous êtes arrêté, il y a une virgule. Mais vous donnez l'impression d'un point. Allez-y. Voilà ce que dit le discours de Vital Kamere. Ici, vous prenez la page 2, paragraphe 1er. Il dit ceci. Le développement de la RDC dépend des Congolais, virgule. Bien plus que d'un leadership visionnaire, virgule, rassembleur, virgule, éclairé, virgule, et qui met tous les Congolais au travail, virgule, tel que prôné plutôt par le président de la République, chef de l'État. C'est-à-dire en contradiction déjà avec ce que vous dites, parce que la phrase n'était pas achevée, vous devriez l'achever en disant « tel que prôné par le chef de l'État ». Et deuxièmement, en contradiction avec tout ce qu'il a développé ici, parce qu'il a donné l'impression qu'un Vital Kamere, en contradiction avec le pouvoir, et qu'un Vital Kamere était en train de faire une projection vers l'avenir, pour dire que non, les leaderships d'autres questions, rassembleurs, éclairés, tout ce que vous voulez, n'étaient pas là. Mais vous ne l'avez pas lu. Vous avez dit avoir analysé minutieusement les discours du président de la République, plutôt de Vital Kamere, mais ce qui n'est pas le cas. Et vous avez prétendu tout ce qu'il a prétendu ici, ce n'était que son fantasme. C'est-à-dire que pour lui, il aurait voulu souhaiter voir Vital Kamere en train de tirer sur Tshisekedi. Mais pourtant, ce n'est pas le cas lorsque vous lisez. Ce n'est pas une invention. Regardez par vous-même, vous allez vous rendre compte que c'est la lettre de Vital Kamere. Regardez même la signature ici. Vous voyez? Donc je suis sur sa lettre. Et ce qui avait été souligné, c'est-à-dire que vous êtes en contradiction avec le vœu même de Vital Kamere. C'est-à-dire que Vital Kamere n'est pas en rupture avec Tshisekedi, mais il est, comme vous l'avez dit, il est dans la logique de la conquête du pouvoir. Avec qui? Avec Tshisekedi. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que même lorsque l'on nous dit, vous savez, j'ai appris un adage que je viens de voir tout à l'heure ici, il est professeur d'université, on dit ceci. À un noir, si vous voulez cacher des vérités, mettez-les par écrit. C'est-à-dire que même l'élite que nous sommes, vous et moi, nous tombons dans ça. C'est-à-dire qu'au lieu de lire les discours réellement de Vital Kamere, vous avez fait autre chose. Vous avez pris votre imaginaire que vous aviez développé ici. Voilà la conséquence de vouloir à tout prix être dans la peau d'un opposant qu'au lieu d'être un républicain. Voilà. Je voudrais tout simplement dire qu'il n'y a pas lieu de commentaire lorsque nous lisons attentivement ce qu'il y a décrit. C'est-à-dire que Vital Kamere est dans une logique. Laquelle logique? D'accompagner Tshisekedi. Laquelle logique? De continuer à conquérir, à maintenir le pouvoir que nous avons ici. Et il est dans le champ du pouvoir, contrairement à ce que vous dites. Voilà. Voilà, on a saisi une... On va donc poursuivre avec la même question, la question sur toujours Vital Kamere. Qu'en est-il aujourd'hui de FCC Cash? Du cash, pardon. Je pense que je l'ai déjà dit plus d'une fois, je continuerai encore de le dire. Hein, tout ce que aujourd'hui, par exemple, la réalité qui se présente à nous, c'est l'union sacrée. Certes, c'est vrai qu'il y a eu des soubassements qui ont fait qu'aujourd'hui nous soyons dans cette réalité-là. Eh bien, je pense que nous sommes dans un cadre qui est beaucoup plus précis. Le président de la République l'a dit lorsqu'il était à l'est de la République. Il a dit qu'il voyait Vital Kamere jouer un rôle important. C'est-à-dire que dans l'avenir, ce rôle-là sera défini. Il jouera ce rôle-là. Nous sommes ensemble. Nous avons un objectif. C'est comme on dit lorsque nous sommes politiques. Okay, l'objectif qui est poursuivi, c'est de conquérir le pouvoir. Nous avons conquu le pouvoir. Le deuxième objectif, c'est de le détenir le plus longtemps possible. Et que nous sommes aussi dans cette même logique-là. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que toutes les forces sont réunies politiquement pour éventuellement aller vers ce pouvoir-là. Vous avez suivi les cadres du parti de l'UNC, de Vital Kamere, qui disent que le pays a besoin
de ce leadership que prône le président de l'UNC, Vital Kamerhe. Non, mais ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Parce que le leadership dont fait question ici, je répète, il dit d'un leadership visionnaire, rassembleur, éclairé, et qui met tous les Congolais au travail, tel que prôné par le chef de l'État. Est-ce que mis en exécution par le chef de l'État? Non, mais prôner et mettre en exécution, mais c'est deux choses différentes. Écoutez, il faut qu'on aille au-delà du discours. Je suis d'accord. Vous dites que les cadres du parti de Vital Kamerhe, s'ils sont en contradiction avec Vital Kamerhe, quel serait alors à ce moment-là l'intérêt de les avoir, eux, dans ces partis-là? Parce que c'est lui-même qui incarne la vision du parti. C'est lui qui porte la responsabilité du parti. Il vous dit que ce leadership est prôné par Tshisekedi. Et les partisans vous disent autre chose. Je veux qu'on insiste sur une chose. Prôner et mettre en œuvre, c'est deux choses différentes. Non, mais il a dit ceci. Les leaderships prônés, ok, ce qui voudrait dire que dans la pratique, c'est ce qu'il voit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au début d'une législature. La question... Nous ne sommes pas au début du mandat de Tshisekedi. S'il prône dans la pratique, c'est ce que nous voyons. Tshisekedi, vous savez, il y a une chose. Est-ce qu'il rassemble? Je vous prends un acte. On va analyser mot par mot. Un leadership visionnaire. Aujourd'hui, par exemple, il faille pour nous mettre fin à l'insécurité à l'est de la République. Un homme visionnaire, il va chercher à comprendre quelle est la cause première de l'insécurité à l'est de la République. Quelle en est la cause? Ce sont les minerais. Et qu'est-ce qu'il y a eu à l'est de la République pour que l'on dise éventuellement minerais? Ce sont les trafics illicites, c'est l'exploitation illégale du Rwanda en République démocratique du Congo. Mais depuis que l'état de siège est arrivé, vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui on parle de la famine au Rwanda, on parle de le Rwanda qui hier était premier producteur de cobalt et consort ainsi de suite. Aujourd'hui il a perdu ces rangs-là, ce qui démontre à suffisance qu'il y a des fonctionnaires qui sont impayés. Ce sont les éléments qui démontrent à suffisance que c'était un homme visionnaire qui a mis en place l'état de siège. D'accord. Je vous prends encore un autre cas. Aujourd'hui, par exemple, nous avons parlé ici au début de Lemba Imbu, avec l'usine de traitement d'eau. Lorsque les autres ont laissé tel quel, un homme visionnaire qui est préoccupé par le sort de la population, il a relancé le projet, puisque le projet était prévu pour 2 ans, c'est-à-dire de 2013 à 2015, mais arrivé à 2015, rien n'avait été fait, tout simplement parce que l'argent avait été détourné. Il a mis les moyens à la disposition pour relancer, c'est-à-dire qu'il est préoccupé, il tient de l'essor. Et aujourd'hui, par exemple, le prof aura certainement à dire, aujourd'hui, par exemple, prenons toujours à l'est de la République. Aujourd'hui, le pas que nous posons vers la Russie, qui démontre à suffisance que nous pouvons avoir un partenariat sérieux avec la Russie, qui pourrait éventuellement permettre à ce que nous puissions nous procurer des armes. C'est-à-dire que vous comprenez que c'est un homme réfléchi, qui d'ailleurs, si l'on dit dans sa vision, vous avez vu comment est-ce qu'il a renversé il a renversé le FCC Cash. Vous avez vu comment est-ce qu'il est arrivé à faire avouer au Rwanda d'être à la base de l'insécurité à l'est de la République et de soutenir le M23. Vous avez encore vu récemment ici, il se retrouvait avec le magistrat. Il s'est rendu compte qu'il se retrouvait dans une salle avec nombre de magistrats à qui il a posé la question de savoir qui est ses conseillers, qui sont ses conseillers qui ont pour habitude de vous donner des injonctions pour que vous allez dans une certaine orientation. Mais il s'est rendu compte, il a mis même la justice devant ses responsabilités. Merci. Comme il n'avait rien dit, ils n'ont dénoncé personne, il est allé même jusqu'à leur dire que nous allons créer une commission à côté et que cette commission permettrait à ce que nous puissions faire le contrôle de ce que vous faites, vous, magistrats, pour que vous ne prétextiez pas que ce sont les conseillers du président de la République qui s'en mêlent. Vous voyez? D'accord. Donc, ce qui démontre à suffisance qu'il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller avec le Congo. D'accord. Merci beaucoup. Je vais lire, je sais que vous voulez réagir, mais je vais lire rapidement la note informative de la rédaction avant de lancer notre sujet de ce matin. Tourner le dos aux Occidentaux en ce moment précis où la RDC est déstabilisée dans sa partie est, c'est une évidence. L'expérience russe en Syrie, RCA et Mali ont donné des résultats de nature à stabiliser ces pays. Il va sans dire que la République démocratique du Congo n'a pas de choix au regard du regain des violences dans l'Est. Le récent séjour du ministre de la Défense en Russie est un signe annonciateur du rapprochement de la RDC. Gilbert Kabanda a eu droit de visiter les sites de vente d'armements russes et autres arsenaux militaires. Voilà, la question qui nous est posée ici sous ce plateau, la RDC vers la Russie, est-ce un choix
réfléchi. Professeur Eddy Yeni, votre réaction? Bon, juste la récit hein, dont il est question ici, il apparaît pratiquement dans la scène internationale au mois de novembre 1917. Et nous sommes juste après la Deuxième Guerre mondiale. La Russie sera parmi les vainqueurs. Donc il y a la Russie et les États-Unis. Les États-Unis vont pratiquement piloter le monde occidental. Et la Russie hein, sera pratiquement le maître du monde oriental. Mais juste dans l'ensemble, il y aura une configuration. Pendant la guerre froide, il y aura deux pôles. Vous avez juste la Russie, l'URSS d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez juste les États-Unis. Les États-Unis, pendant ce temps-là, on va parler de centre périphérique, de périphérie. Nous étions juste considérés comme une périphérie, et dans le centre, et non juste une périphérie qui dépendait de la Belgique, et la Belgique elle-même était une périphérie des États-Unis. Hein? Et on va parler même à un certain moment, on parlera même des non-alignés. Le Congo va s'inscrire pratiquement parmi le pays. Capitalistes donc qui vont soutenir qui seront derrière les États-Unis. C'est comme ça que Mobutu va jouer un rôle important au cœur de l'Afrique et il sera accompagné par les États-Unis. Nous arrivons juste en 1989, c'est la perestroïka, la chute du mur de Berlin, le monde qui était bipolaire va devenir unipolaire avec le primat, juste la chute du mur de Berlin, c'est pratiquement la chute aussi. Cela symbolisait pratiquement la chute de l'URSS et le primat des États-Unis. Donc le monde devient unipolaire. Ce monde unipolaire, le premier acte, c'est la guerre du Golfe, où les États-Unis vont s'engager. Derrière les États-Unis, vous avez toutes les forces, y compris la Russie, et y compris juste la Russie et la Chine, vont s'aligner derrière les États-Unis. C'était juste une manière de démontrer au monde que. Toutes les forces, tous les puissants sont avec moi. Je deviens maintenant le seul maître à bord. Le monde avance, nous sommes juste à 89. On verra pratiquement la renaissance du Grand Dragon qui est pratiquement la Chine. Et de l'autre côté, en 2000, c'est la renaissance juste de la Chine, de la Russie avec Vladimir Poutine. Et nous verrons, on verra pratiquement la montée du Brexit, hein, d'autres puissances, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, tout ça. Ces pays-là verront c'est juste le jour. Et le monde devient multipolaire. Il y a aussi l'Europe, donc le monde devient multipolaire. La multipolarité, pour nous, c'était pratiquement une opportunité. Pour nous, état sous-développé, c'était pratiquement une opportunité. En 2001, il y a l'attentat terroriste aux États-Unis et cela va encore redéfinir la cartographie géostratégique mondiale. En 2008, le monde vivra pratiquement la crise immobilière hein, juste aux États-Unis qui va pratiquement affecter hein, le système financier mondial. Hein, le système financier mondial. Les États vont se redéfinir. Voilà, tout est parti. Et aujourd'hui, le monde a l'air pratiquement de la révolution numérique, il y a des États, et singulièrement la RDC, qui regorge des ressources stratégiques de l'air. J'ai dit des ressources stratégiques, parce qu'à l'ère de l'information, vous ne pouvez pas vaincre ces batailles si vous n'avez pas les ressources dont dispose la RDC. Vous prenez son cobalt avec une ténère incroyable. Vous avez juste son coltan. Hein? Il y a les coltans. On ne peut pas aujourd'hui parler de l'informatique, parler des téléphones, tout ça, sans les coltans. Donc la RDC en a. Vous avez juste. La RDC parmi les rares pays au monde à avoir des ressources stratégiques inouïes. Et vous nous posez la question. Votre question est celle de savoir. La RDC vers la Russie, un choix réfléchi. Oui, là juste. Cela me ramène à parler un peu du capitalisme. Hein? Ou juste de grands courants de pensée. Parce qu'aujourd'hui, le monde a connu deux grands courants de pensée. Hein? Deux grands courants. Il y en a plusieurs, mais il y a deux grands qui sont juste des grandes idéologies qui sont pratiquement juste distinguées. Vous avez l'idéologie capitaliste et l'idéologie socialiste. Et la Russie fut l'un des pionniers du socialisme. Et aujourd'hui, ce socialisme qui était autoritariste
ou totalitaire convergent aujourd'hui juste avec la démocratie. C'est comme ça qu'on commence à parler plus de sociaux-démocrates. Bon, la RDC, moi je dis, le capitalisme a été toujours sauvage. Hein? Le capitalisme a été tout sauvage. On ne développe pas, on se développe. Il n'y a pas un pays qui va assurer votre développement. Il n'y a pas une puissance qui viendra juste avec un bâton magique vous aider à s'épanouir. Donc, c'est aujourd'hui, pas un choix réfléchi. Je dirais, en choix réfléchi, la RDC, comme un acteur qui se veut stratégique, doit aussi évaluer quelles sont ses marges de manœuvre avec la Russie. Quelles sont ses marges de manœuvre avec les autres. Parce que, vous savez... Vous ne savez pas répondre directement, mais il faut encadrer cela. Il faut bien réfléchir. Parce qu'on doit toujours présenter l'Occident, donc les États-Unis d'Amérique et les autres, donc la Belgique, la France, tout ça, les Européens, comme étant des partenaires traditionnels. Hein? Et la Russie est présentée comme étant une puissance, mais qui veut cette femme belle, cette femme qui a des ressources. C'est quoi la crainte? Qui a des ressources. C'est quoi la crainte si la RDC se rapprochait davantage de la Russie? Oui, sur le plan sécuritaire, je crois bien, il y a certains pays qui ont fait aujourd'hui des preuves avec la Russie. Hein? Il y a certains pays qui ont réussi à se sécuriser avec la Russie. Mais vous parlez de la crainte. Moi, je dis d'abord nos capacités internes. Avons-nous juste cette capacité à pouvoir gérer nos rapports avec la Russie? Aujourd'hui, nous avons, vous savez, à chaque fois en RDC, bon, je me pose la question, pourquoi nous sommes un pays bourré de ressources, mais dont la population croupit dans la misère. On a aujourd'hui une élite intellectuelle, politique, culturelle et autres au service d'autres puissances. Donc, on veut nous maintenir dans ces néocolonialismes. D'accord. Même la Russie est parmi aussi les puissances impérialistes. Donc, j'ai dit, la Russie n'est pas une panacée pour le développement de la RDC. Donc, on doit bien réfléchir, dire que c'est un choix réfléchi, sans pour autant bien analyser tous les paramètres, serait une erreur. Il revient d'abord à l'État congolais de s'organiser en interne dans les rapports entre les États. Ce sont juste deux intérêts qui comptent. Parce que la Russie ne viendra pas juste faire ne viendra pas se comporter à un ange vis-à-vis des États africains. Merci. Maître Richard Pinda, votre réponse à cette question, la RDC vers la Russie, est-ce un choix réfléchi? Je voudrais que nous fassions la part des choses. Les relations entre États ne sont pas des relations amicales. Ce ne sont pas des relations de complaisance, ce sont plutôt des relations d'intérêt. C'est-à-dire que nous devions nous poser la question de savoir quel intérêt aurait la République démocratique du Congo à aller vers la Russie et quel intérêt aurait la Russie à aller vers la République démocratique du Congo. Je pense qu'à ce niveau-là, les réponses sont claires, ça saute aux yeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons, nous l'avons dit, vous l'avez dit d'une manière ou d'une autre ici, que nous avons quitté un État, l'État de la mondialisation qui impliquait un nouvel ordre mondial, d'ailleurs j'allais le dire ainsi, qui est en train de s'implanter. Et ici, vous constaterez par vous-même qu'à un moment donné, lorsqu'on parlait de l'unilatéralisme du monde, c'est-à-dire que le puissant du monde pouvait se retrouver autour d'une table et ils pouvaient discuter aisément sur comment répartir leur influence dans le monde. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis imposent sa marque quelque part, ce n'est pas la Chine qui intervient. Là, je peux vous prendre des cas pratiques, par exemple. Prenons par exemple le conflit qu'il y a entre Taïwan et la Chine. Lorsque Taïwan dit que j'ai mon mot à dire à la Chine, plutôt, lorsque la Chine dit « j'ai ce mot à dire à Taïwan », ce n'est pas les Américains qui viennent le contredire, pas du tout. Mais maintenant, vous allez constater par vous-même, récemment ici, vous avez vu même la présidente du Chambre de représentants du Congrès américain qui se retrouvait en Taïwan. C'est un affront pour la Chine. C'est-à-dire qu'ils ont marché sur le plate-bande de la Chine. Vous prendrez même le cas avec
avec la Russie, avec l'Ukraine par exemple. L'Ukraine qui, à un moment donné, ne pouvait pas aller à l'OTAN, tout simplement parce que, selon les accords qu'ils avaient avec la Russie, cela constituerait une menace, un danger pour la mise en danger de la Russie. Et aujourd'hui, vous avez rendu compte que l'Ukraine a été influencée par la Russie, par plutôt les États-Unis d'Amérique, la France et consorts, précisément l'OTAN, et ils sont allés vers l'OTAN, et ce qui a entraîné la guerre que nous connaissons aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui démontre à suffisance que l'ordre mondial qui avait d'antan, l'unilatéralisme dont j'ai évoqué ici, n'existe plus. Donc, c'est-à-dire que chacun évolue de sa manière. Vous avez la Chine qui veut s'imposer parce qu'il se considère comme étant une puissance mondiale, ce qui est aussi vrai, parce que militairement, ils sont beaucoup plus fournis que en termes d'effectifs militaires. Et aujourd'hui, lorsque la Chine menace, on m'a même raconté une blague, à un moment donné, lorsque le sommet des G8 s'était né quelque part en Europe, dans l'espace occupé par l'OTAN, Poutine, comme c'est un provocateur, un taquineur bien connu, l'avion de chasse russe a survolé juste l'espace et c'était la débandade. Ce qui démontre à suffisance qu'il peut menacer, il a menacé même, il a dit, un seul militaire européen sur le sol de l'Ukraine, ça serait une déclaration de guerre. Est-ce que l'OTAN a bougé? L'OTAN n'a pas bougé. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est envoyer des armes. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des militaires pour aller effectivement soutenir la Russie. Et revenons un peu en République démocratique du Congo. Une incise, je reviens un peu en arrière. Aujourd'hui, pour que la Chine maintienne sa superpuissance, pour que les États-Unis maintiennent leur superpuissance, pour que la Chine puisse renverser la position dominante des États-Unis d'Amérique, il faut un allié solide. La belle femme que nous sommes, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, potentiellement aussi fort que nous le sommes, c'est-à-dire lorsqu'on dit de nous que nous sommes un pays solution, ce n'est pas un hasard. C'est un fait réel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut apporter à la Chine, à la Russie, aux États-Unis d'Amérique, la position dont elle veut renforcer cette position-là pour maintenir soit la position ou soit renverser les uns et les autres. Revenons un peu à la République démocratique du Congo. Un autre rappel historique. Finalement, ce n'est pas un choix réfléchi. C'est un choix très réfléchi. Je vous ai posé des prémices. C'est-à-dire que nous avons des superpuissances qui se battent entre eux. C'est-à-dire que celui avec qui nous voulons aller peut, nous pouvons profiter de cette superpuissance-là pour qu'il puisse nous être profitable. Tout en n'oubliant pas que le partenaire privilégié de la RDC, ce sont les Occidentaux. Laissez-moi y aller. Je vous ai dit, allez-y. Voilà comment nous réfléchissons maintenant. Nous avons dit, vous l'avez tout à l'heure dit, le partenaire privilégié, c'est les États-Unis d'Amérique. La question que nous nous posons, quel est l'apport des États-Unis d'Amérique? Nous l'avons dit tout à l'heure ici, ce n'est pas des relations de complaisance. Nous sommes avec les Américains, mais qu'est-ce que nous gagnons en retour? Est-ce que nous avons la sécurité adéquate? Nous savons que c'est les États-Unis d'Amérique qui financent l'Organisation des Nations Unies à 60%, ok? Mais lorsque on interdit, on enlève mais à la République démocratique comment se rattacher, comment négocier ou se rapprocher de la Russie sans frustrer les Occidentaux? Je veux en venir. Laissez-moi d'abord démontrer que c'était une décision ou que c'est une décision réfléchie à mon entendement. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un État meilleur partenaire privilégié des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous avons, vous avez la certification de qui est un embargo pratiquement. Pourquoi ne pas demander la certification soit à l'égard des entreprises qui fabriquent les armes, les industries d'armement? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi ça doit être celui qui achète? Ça n'a pas de sens. C'est juste une façon de nous empêcher, nous, de pouvoir nous procurer des armes par la voie ordinaire et à moindre coût et nous renvoyer dans le marché noir où ce sont les entreprises même américaines, françaises et consorts ainsi de suite qui vendent les armes. C'est-à-dire que ça sera 4 fois, 5 fois, 10 fois plus cher que l'on l'aurait acheté par voie normale. Vous voyez ça? Et pourtant, si l'on avait certifié les armes qui sortent de l'industrie d'armement, ça aurait empêché que ces armes-là sortent de manière irrégulière et frauduleuse. Allez-y comprendre par là que c'est ça la stratégie, au moins de l'Occident, et cette stratégie-là ne nous profite pas. Cette stratégie nous met dans l'incapacité de pouvoir nous défendre. Un autre élément. Aujourd'hui, nous avons, nous le savons tous, nous ce sont des cris, que ce sont les industries, les entreprises, les multinationales qui fabriquent des appareils portables, de télévision et tout ce que vous voulez, les avions, ainsi de suite. Tous ceux qui ont besoin de richesses, des minerais qui sont à l'est de la Ces République. Minerais ne sont pas et seulement. Ces multinationales ne sont pas qu'américaines. Elles sont. Non, j'ai dit oui, je suis dans la logique. Je suis dans la logique. Exactement. Exactement, elles sont telles qu'elles. OK? Mais la question fondamentale, les multinationales chinoises,
américaine, russe et tout ce que vous voulez ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous apporte, nous, en retour comme garantie? Je vous ai dit tout à l'heure que le président de la République est allé même voir l'homme de Microsoft, Bill Gates. Bill Gates, au début, à l'entame de son mandat, ainsi de suite, tout ça, pour échanger avec. Il dit, au lieu d'obtenir de manière frauduleuse, venez obtenir de manière irrégulière. Maintenant, les couacs ici, c'est quoi? Et ils veulent continuer dans cette instabilisation de l'Est de la République. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent que si nous allons par voie ordinaire, normale, et ça poserait un problème, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo vont s'organiser et en s'organisant, ils n'auront plus besoin de nous. C'est-à-dire que nous devons le maintenir dans cette prédation qui ne profite qu'à l'Occident, au lieu de faire en sorte que eux-mêmes, le propriétaire... Malheureusement, je ne suis toujours pas satisfait. Je suis en train d'évoluer. La réponse à ma question... Vous savez ce que vous faites, lorsque vous me relancez... Vous avez pris pratiquement la majeure partie du temps que je vous ai accordé. Et je vous ai démontré... Je suis en train de la récupérer et la donner à votre co-débatteur parce que Débatteur comprendra que ici, lorsque je parle de l'agression du Rwanda, par exemple, est-ce que vous pouvez expliquer que nous ayons un partenaire privilégié tel que le Rwanda et que le Rwanda, avant de nous agresser, reçoit l'AFRICOM, le commandement militaire africain en Afrique, éventuellement pour préparer cette agression-là? C'est-à-dire qu'il y a eu des contradictions, c'est-à-dire que nous ne trouvons pas d'intérêt à aller avec les Américains. Mais nous ne trouvons pas les partenariats qui a été signé. Mais le partenariat, c'est un accord. Ne vous en faites pas. Le partenariat, c'est un accord. Les accords se font et se défont. D'accord. Au sens des intérêts. Mais lorsque les intérêts nous disent que nous ne pouvons pas. Prenons par exemple, qu'on se le dise entre nous. Lorsque nous nous sommes retrouvés au Conseil de sécurité, ce n'est pas les Américains qui ont pesé de leur poids avec leurs partenaires autres que la République démocratique du Congo pour lever l'embargo sur la République démocratique du Congo. C'est plutôt la Chine, la Russie, le Gabon, et ainsi de suite, qui ont pesé de manière à ce que l'on puisse faire quelque chose dans ce sens-là. Merci. C'est-à-dire que nos partenaires, entre guillemets, privilégiés, nous nous sommes posés, c'est-à-dire raison pour laquelle j'ai dit que c'est réfléchi, parce que nous nous sommes posés la question de savoir quel est l'intérêt d'avoir ces partenaires et dire d'eux qui sont privilégiés lorsque dans la pratique nous ne le voyons pas. D'accord. Professeur Edieni, vous avez dit qu'il faut plutôt réfléchir, il ne faut pas qu'on aille... aussi vite, aussi rapidement qu'on saute dessus, il faut qu'on encadre ça. Mais lui dit ici que c'est une décision, il a même dit, très réfléchie. Vous avez suivi son argumentaire, qu'est-ce que vous pouvez... Vous savez que l'État, c'est identité matérielle et immatérielle. Hein, donc l'État d'abord a une dimension immatérielle et matérielle. Dans sa dimension immatérielle, l'État est spirituel, hein, voire même est philosophique. Quand vous parlez des États-Unis, ce sont des pays qui s'inscrivent sur le plan philosophique, hein, dans le libéralisme, hein, qui vous renvoie pratiquement à la démocratie et capitalisme. Sur le plan spirituel, ce sont pratiquement des États judéo-chrétiens. Nous, jusqu'à la preuve du contraire, je pense que nous sommes une population ou notre État, comme sur le plan immatériel, on ne sait pas vraiment se définir spirituellement. On ne sait pas se définir spirituellement parce que cet État produit de la colonisation qui a réussi d'abord à nous acculturer. À nous acculturer, à être ce que nous sommes. Lorsqu'on est acculturé, on devient sans histoire. Et lorsqu'on est sans histoire, on a du mal à se projeter réellement dans l'avenir. Si on ne sait pas faire un petit recul et essayer un peu, tenter un peu d'évaluer, hein, de faire un état des lieux. Sur le plan philosophique, jusqu'à la preuve du contraire, on embrasse tout, hein, démocratie, état des droits, droits de l'homme, on veut opposition, pas tout ça, machin. Mais sur le plan philosophique, on ne sait même pas aussi c'est définir. Bon, vous dites, c'est un choix réfléchi. C'est un choix réfléchi, un état doit avoir juste un but, hein, doit savoir pourquoi j'existe dans cet univers comme état. Et ce but le permet pratiquement de se fixer des objectifs. Alors, je dirais des objectifs spécifiques et opérationnels. En fonction de ces moyens, ressources dont vous disposez, ce que vous produisez, ce que vous avez, et il faut juste évaluer de temps à autre.
Mais je me dis, aujourd'hui, cette question de passe, le simple cadre du pouvoir, c'est une question qui me renvoie pratiquement à l'élite congolaise, politique, intellectuelle, culte, à l'élite congolaise dans son ensemble. L'élite doit réfléchir. Il y a des choix qui nécessitent une certaine cohésion. Hein? Je dirais, il faut essayer un peu de réfléchir ensemble pour voir comment réorienter cet appareil que nous appelons juste État. Il y a aujourd'hui l'élite politique qui prend le devant, donc l'élite gouvernante, pas politique dans son ensemble, mais l'élite gouvernante, celle qui est dans le champ du pouvoir, qui pense que nous devons juste nous rapprocher de la Russie et nous présentons aujourd'hui la Russie comme étant un choix réfléchi. J'ai dit, pour dire que c'est un choix réfléchi, on doit encore creuser et creuser davantage. Hier, on nous a présenté la Chine comme étant un meilleur choix pour notre développement. Mais nous avons vu des Chinois exploiter illégalement nos ressources, produire une prédation plus dangereuse que celle présente, que celle que nous présente les États-Unis. On a vu des espaces entiers en RDC dont les Chinois interdisaient pratiquement l'accès aux autorités congolaises. C'est pour vous dire que même le capitalisme chinois oriental, donc riche et autres, est aussi sans âme. Sans âme. Voilà pourquoi, pour opérer des choix, pour dire que ce choix est réfléchi, on doit d'abord, comme peuple, se fixer d'abord, avoir un objectif, avoir un but, se fixer des objectifs et voir comment matérialiser ce que nous nous sommes pratiquement fixés. Mais ici, en Afrique, on a déjà des pays qui sont en pleine coopération militaire avec des Orientaux, je veux dire des Russes. Vous avez la Centrafrique qui a une force russe qui est sur place, qui apparemment aujourd'hui la Centrafrique est quand même un des États qui semble se stabiliser petit à petit. Vous avez le Mali aujourd'hui qui est en train de renforcer sa coopération militaire avec la Russie. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous copier ce modèle de Centrafrique et du Mali pour que nous aussi, dans la partie, ça fait plus de 20 ans que les gens meurent, pourquoi ne pas copier le même modèle pour que nous aussi, notre pays se stabilise comme ceux qui ont fait le même choix. Donc, là, maintenant, là, juste, vous venez de circonscrire les domaines. Vous nous parlez maintenant de quoi? Du secteur militaire, non sécuritaire, coopérer avec la Russie pour stabiliser pratiquement l'est de la RDC. Je dis, c'est une option. Hein? C'est une option, mais cela n'est pas une panacée. Je dis bien, c'est une option. C'est une option qui se présente. On peut coopérer avec la Russie comme d'autres puissances et pacifier, stabiliser l'est de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, ça pose un problème. Sans mettre en cause notre partenariat avec les États-Unis. Oui, on peut le faire sans remettre. C'est dans le cadre d'un partenariat, des accords bilatéraux. On peut le faire sans remettre en question. Mais lorsque vous dites sans remettre en question. Il faut encore nuancer. Parce que pour les États-Unis, vous savez, la RDC, c'est un pays stratégique où chacun veut avoir une mainmise. Hein? Et pour elle, la Russie ne peut pas s'inviter dans cette messe. Hein? D'où il faut l'empêcher. Je dirais, il revient maintenant à nos autorités d'agir stratégiquement, de voir comment concilier ces différentes positions. Les États-Unis, la Chine, la Russie, comme il est question d'un secteur, quoi, du secteur militaire, on a vu la Russie réussir en Centrafrique, tout comme ailleurs. Donc, on peut faire appel à la Russie dans ces secteurs précis et réussir. Mais même là où la Russie essaie un peu d'intervenir, je me dis, jusqu'à présent, j'ai dit, vous savez que la question du Congo, c'est une question purement stratégique. Hein? Vraiment plus. On ne peut pas comparer la RDC avec d'autres pays. Ne comparons pas, on peut comparer peut-être la situation. Tous, on a connu pratiquement de poches d'insécurité, ça et là. Mais la RDC, c'est une question qui renvoie plus, je dirais, à la réflexion, à la stratégie. Et moi, ce que je refuse, c'est de présenter la Russie comme étant une panacée pour pacifier l'est du pays. J'ai dit là non. D'abord, la sécurité, c'est une question interne
personne ne viendra vous sécuriser. On doit d'abord renforcer les capacités de notre armée. Nous, dans le nouvel élan, nous avons proposé d'ériger pratiquement un mur à l'est du pays, donc de donner plus de moyens à l'armée congolaise, de privilégier la formation, mais jusqu'à l'achat de matériel de guerre. Parce que, au-delà de ce que vous appelez de l'embargo, je vais lire un peu le partenariat. Je vais revenir vers vous, professeur. Okay. Ne vous en faites pas. Le partenariat privilégié que les États-Unis ont signé avec la RDC a comme objectif l'amélioration de la bonne gouvernance, la promotion de la paix et la prospérité avec les États-Unis, la lutte contre la corruption, la promotion des droits de l'homme, la création des conditions permettant des investissements américains plus importants. Quelque part, j'ai lu également, un point lié à le renforcement de la défense de notre pays. Ok. Voilà. Vous avez lu tout ça. Donnez-moi un seul point à laquelle nous avons failli. Parce que si nous parlons de la lutte contre la corruption, le détournement et tout ce que vous voulez, vous avez un travail considérable. Je ne dis pas que tout est parfait. Non. Je dis un travail considérable, ce qui permet à ce que nous puissions quitter de 4 milliards de dollars à 11 milliards de dollars. C'est-à-dire que y a eu, les trous qu'il y avait dans le temps ont été bouchés. Quel est l'investissement américain à ce jour que l'on peut compter en République démocratique du Congo depuis que le président Tshisekedi est accédé au pouvoir? Pour l'instant, il n'y a pas de chiffre officiel, mais Blinken en passant a dit qu'ils vont soutenir la RDC du point de vue des élections avec un paquet important de 36 millions de dollars. Soyons sérieux. C'est quand même une insulte. C'est une insulte. Qu'on prenne ces 36 millions de dollars, qu'on nous construise des toilettes publiques, ça va donner du travail aux gens. Vous savez, s'il y a une toilette publique, c'est-à-dire que la personne qui va nettoyer a du travail. La personne qui va rester à la porte pour percevoir le sou pour accéder, ainsi de suite, aura du travail. Les élections, lorsqu'ils vous parlent des élections telles quelles, ils annoncent autre chose. C'est-à-dire que nous voulons que vous partiez. Pourquoi? Parce que vous ne nous êtes pas profitables. Être profitable aux Américains, c'est quoi? Détourner pour vous-même, brader des richesses de la République pour vous-même. Là, ils sont contents puisque les pays n'évoluent pas. Mais lorsque nous tendons la main vers la Russie vous rassure. Il dit que nous allons vous donner les armes. C'est là où je réponds, je tranquillise le professeur avec les options levées par le nouvel élan. Okay? Tout simplement parce que lorsque vous suivez, non seulement que ce sont les matériaux, les matériels de guerre que nous allons avoir avec nous, mais aussi la formation de nos officiers. Aujourd'hui, nous avons un problème d'infiltration. Mais vous avez les experts des Nations Unies qui nous recommandent de faire quoi? De brasser encore le M23. Ils nous demandent de faire quoi? D'amnistier encore le M23. Et pourtant que nous sommes un État souverain et que nous avons levé l'option de ne pas le faire. C'est-à-dire que cette contradiction, en principe, nos alliés privilégiés devaient nous soutenir pour dire que non, nous connaissons qu'ils souffrent. Vous savez que les accords que nous avons eus dans ces pays avec la Russie datent de l'époque de l'URSS. Ce qui voudrait tout simplement dire que c'est déjà, on parle de 1965, à ces jours, nous sommes en 2022, ce qui voudrait tout simplement dire que 57 ans d'années se sont écoulées. Mais la question que nous devrions nous poser, c'est de savoir, n'avions-nous pas, cher professeur, réfléchi suffisamment pour nous dire qu'il faille à ce que nous puissions changer de fusil d'épaule? Où en sommes-nous aujourd'hui? Il ne faudrait pas que les autorités congolaises d'aujourd'hui soient considérées comme étant des déviationnistes. Vous vous souvenez de ce qu'on disait de Lumumba à l'époque? De vous à moi. Nous allons nous dévier de quoi? Parce que nous devons nous poser la question de savoir ce qui préoccupe la République aujourd'hui, c'est le bien-être de la population. Mais ceux qui se présentent par devers nous, ceux que nous avons comme partenaires privilégiés, qu'est-ce qu'ils nous apportent comme garantie pour y arriver? Moi, je m'attendais à ce que Blinken vienne nous dire ici, en tout cas, nous devons prendre des sanctions, nous devons demander au Rwanda d'arrêter. Mais ce qui n'est pas le cas. Ils arrivent là-bas, ils nous disent que non, bon voilà, vous avez les FDLR sont soutenus par le gouvernement. Mais où sont ces FDLR? Le Rwanda, je l'ai toujours dit que le Rwanda a été en République démocratique du Congo avec les services de renseignement, ils fonctionnaient normalement. Le Rwanda sécurisait nos frontières. Mais où est-ce qu'ils sont, ces FDLR, pour que l'on mette la main dessus? Ils ne sont pas là, ils sont inexistants. Mais par contre, les États-Unis d'Amérique ont démontré ici qu'il y avait une agression.
Mais pourquoi ils nous ont dépouillés de notre capacité de défense? Entre-temps, ils fournissent armes et munitions au Rwanda. Ils payent les militaires rwandais. Ce qui démontre... Mais c'est un soutien militaire. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Il y a des accords de partenariat qui continuent encore jusqu'à présent. Alors, ce qui démontre à suffisance que nos partenaires ne sont pas vrais. Mais pourquoi ne pas aller vers la Russie si la Russie peut éventuellement nous permettre de pouvoir nous assurer sécurité et développement? Parce que la chose la plus importante ici, c'est assurer les bien-être de Congolais. On ne peut pas comprendre que dans un État où on s'est dit scandaleusement riche, extrêmement riche, mais que nous continuons à être pauvres à ce point. Cette situation en profite à quelqu'un. Non, mais ça profite à la prédation occidentale. Prenons le cas du Mali. Je vous prends tout simplement le cas du Mali. Le Mali, aujourd'hui, il est démontré, même il y a une plainte qui est introduite aux Nations Unies, pour démontrer que c'est la France qui est à la base de la déstabilisation, que la France survole l'espace aérien malien. La France est en train de donner les informations aux groupes rebelles pour déstabiliser le Mali. C'est le cas avec la République démocratique du Congo qui finance à majorité les Nations Unies. N'est-ce pas là les États-Unis d'Amérique qui sont partenaires financiers à hauteur de 60%, mais ils le font. Mais aujourd'hui, lorsque l'ONU par la MONUSCO divulgue les informations des positionnements militaires aux troupes, aux groupes rebelles, au M23, il venait de le dire, il n'y a pas d'État d'État qui viendra donner une solution universelle. Tous les États viendront pour leurs propres intérêts. Pourquoi considérer la Russie comme un choix important par rapport aux autres? Mais si ça nous est bénéficiable et que ça peut nous être bénéficiable de manière à ce que nous puissions assurer notre développement, où en est le problème? Pourquoi ça doit être nécessairement obligatoirement les Américains? Si les Américains peuvent nous donner ce que nous voulons, tant mieux, on continue avec eux. Mais s'ils ne peuvent pas, Tshisekedi n'est pas là pour figurer. Tshisekedi est là pour apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Et par voie des conséquences, il doit prendre les options qui se présentent à lui. Quelles sont les meilleures options qui se présentent à lui? En tout cas, en ce qui nous concerne, 57 ans, 10 ans, depuis 1960, parce que Mobutu est arrivé au pouvoir par le fait de des Américains, de l'Occident et tout ce que vous voulez. Donc si nous sommes 62 ans, nous sommes âgés de 62 ans, ok? Qu'est-ce que l'Occident nous a déjà apporté des conséquences? Si ce n'est que de conseils qui ne nous profitent pas. Prenons le cas, par exemple, du bradage de la Gécamines. Prenons les conseils récemment, ici, la recommandation des experts des Nations Unies, qui nous demandent à nous de réintégrer les M23 au sein de l'armée et aussi de leur accorder l'amnistie. C'est comme si on était en train de les encourager à continuer à déstabiliser la République démocratique du Congo. Allez-y comprendre que ces conseils-là ne nous est pas profitable. Et la question fondamentale, si la Russie peut nous présenter mieux que ça, pourquoi ne pas aller vers? Merci beaucoup, maître prof. On termine avec vous. Quelles sont les recommandations? Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire aux dirigeants d'aujourd'hui pour que cette situation soit définitivement résolue? Et vous savez, juste, je vais un peu juste aborder, dire un mot par rapport à l'appui pour la tenue des élections d'après les États-Unis. Vous savez, juste, les Américains pourraient, ce qui est important, c'est la pérennisation de cette universalisation de la démocratie, qui est un système. Et cette démocratie pratiquement à l'occidentale, et puis pour elle, c'est l'imposition du capitalisme à l'occidental. C'est ce qu'ils disent libéral, donc une certaine occidentalisation de la vie. Et c'est ça juste ce qu'ils présentent comme étant la mondialisation. Ils veulent à ce que l'on devienne de petits occidentaux, et dans l'habillement, dans notre manière d'agir, de faire, tout ça. Ils veulent juste créer des états satellites qui vont satisfaire aux appétits des occidentaux. Bon, ils viennent juste nous piller, ils viennent pratiquement juste nous dépouiller de tout ce que nous avons comme ressources. Vous parlez de tous les partenaires, Russie, Chine, États-Unis, compris. Je parle des occidentaux, et s'il faut parler de manière globale, je parlerai de toutes ces puissances-là comme étant des impérialistes, qui n'ont pour objectif que de nous exploiter, d'exploiter nos ressources, de nous piller, de nous dominer. Mais lorsqu'il est question de parler en particulier ou en singulièrement de la Russie, je pense que cette situation a trop duré. On n'a pas de solution. S'il faut un partenaire qui peut nous aider
à avoir pratiquement définitivement la solution, à stabiliser l'est du pays, je dis tant mieux. Mais ici, je ne veux pas présenter la Russie comme étant une solution, une panacée à nos problèmes pour la question sécuritaire. Parce qu'avec les États-Unis, on sait que pour les États-Unis, l'instabilité à l'est du pays est profitable aux multinationales américaines et est profitable pratiquement aux finances américaines. Ils disent la somme d'intérêt privé produit d'intérêt général pourrait. Ils peuvent venir ici piller et ramener tout ce qu'ils pillent aux États-Unis pour leur bonheur, pour leur prospérité. Donc, ils pensent qu'ils doivent nous exploiter. Voilà pourquoi ils favorisent l'instabilité. Aujourd'hui, on dit même ils préfèrent l'instabilité que la diplomatie et la paix. Donc, voilà pourquoi je dis, moi je reviens toujours, on doit renforcer les capacités de notre armée. On doit mettre en place une armée à mesure, je dirais, de résoudre cette question. Merci. Oui, on a besoin de partenaires privilégiés pour avoir le matériel nécessaire afin de faire la guerre. Mais il faut encore vraiment, je dirais, réfléchir stratégiquement pour essayer un peu de résoudre cette question qui s'impose à l'est du pays. Je voudrais, il y a des actes qui sont posés qui démontrent à suffisance que nous voulons renforcer notre armée. Par contre, vous avez ici l'enrôlement, c'est-à-dire qu'il faut avoir un effectif réel, pas comme l'illusion qu'on nous a vendue dans le temps, ainsi de suite. Ça. Je ne dis pas que la Chine est la panacée, mais j'ai dit que le partenaire qui s'offre à nous, avec possibilité de pouvoir nous organiser, d'assurer la sécurité, vous l'avez vu, ce n'est pas à redire là-dessus. Je pense qu'il a démontré à suffisance qu'ils étaient ensemble avec nous. Un autre élément important, lorsque vous dites que la Chine, nous l'avons présentée ou qu'on nous l'a présentée comme étant un partenaire qui pouvait éventuellement nous aider, mais attention, le gouvernement passé est allé contracter avec les privés, les particuliers, okay, au lieu d'aller directement voir le gouvernement. Allez voir comment le Congo-Brazzaville est construit, mais c'est par la Chine, puisqu'ils ont été sérieux et qu'ils sont allés vers le gouvernement chinois. Allez voir nombreux pays en Afrique, que vous le verrez. Vous allez vous rendre compte, même en Ouganda, c'est même l'aéroport qu'on est en train d'arracher pour un paiement, ainsi de suite, tout ça. C'était un partenariat même avec le gouvernement. Donc, allez-y, excusez-moi, s'il vous plaît. Non. Peut-être qu'il y a un problème de gouvernance interne. Non, s'il vous plaît. Il y a un problème là-dessus. Donc, ce qui démontre à suffisance que les éléments mis à notre disposition, je comprends que c'est la fin de l'émission. Ben, on espère qu'on aura quand même le temps de nous étendre là-dessus. C'est vraiment important qu'on s'en tienne. La Russie a joué un rôle aussi important dans le monde. La Première Guerre mondiale, c'est grâce à la Chine, à la Russie. La Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi... L'histoire a été, comme qui dirais-je, rendue favorable à l'Occident, puisque l'Occident en a voulu communiquer ainsi. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Merci beaucoup, Professeur Eddy Yeni. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Le temps nous est imparti. On a pas malheureusement su aborder la deuxième thématique sur l'intégration des groupes armés dans les forces de l'ordre. Nous allons revenir sur cette question importante au cours de notre prochaine émission. Nous disons merci à l'ensemble de l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à tous ceux qui soutiennent Congo Buzz Télévision et son directeur général, Christian Bossembe. Merci à vous toutes de nous suivre. À la prochaine, avec le même plaisir. Congo Buzz, nous sommes toujours là pour vous servir.